Salut à tous. Alors, on a deux leurres phares chez Salmo qui sont le slider et le fatso. Et moi, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de demandes et de retours, que ce soit de clients ou de pêcheurs au bord de l'eau qui veulent un petit peu savoir comment mieux les exploiter, comment bien les faire nager, parce que c'est vrai qu'il y a quelques subtilités. Et du coup, je vais vous donner trois astuces pour bien faire nager votre slider et votre fatso. Première astuce pour bien faire nager le slider, ça va être de mettre des twitch avec la canne. Je vous le fais. Donc il va falloir mettre, imprimer avec le sion de la canne, des petits coups successifs. Voilà, il faut vraiment battre un rythme, un petit peu comme on peut faire avec un stick bait. Et ce qu'il faut, c'est mouliner très très doucement avec la main gauche sur la manivelle. De cette manière, on obtient une nage side to side, c'est-à-dire que le salmon va vraiment se retourner sur lui-même. Deuxième astuce pour bien faire nager le salmon slider, ça va être de le faire nager essentiellement avec le moulinet. Donc mon conseil, ça va être, vous le laissez un petit peu couler et ensuite, vous allez vraiment le travailler avec la manivelle. C'est-à-dire qu'on engage vraiment avec beaucoup de vitesse sur la manivelle, sur plusieurs tours. Et on relâche. Et on reproduit ça avec des longueurs de tours de manivelle différentes. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez mettre 3 coups de manivelle, une pause, 4 coups de manivelle, une pause, 2 coups de manivelle, ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez erratique et de bien penser, dès qu'on arrête de mouliner, à détendre la bannière. Troisième astuce pour bien exploiter le salmon slider, en fait c'est un leurre qui a un rolling à la descente. C'est-à-dire que lorsque vous faites une pause, il a la capacité à osciller pendant qu'il coule. Donc c'est quelque chose qui déclenche beaucoup de touches. Par contre, il y a une façon de faire pour vraiment optimiser ce rolling, c'est de ne pas garder la bannière tendue. Si la bannière est trop tendue, le leurre a du mal à avoir ce rolling, alors que si la bannière est bien détendue, le leurre coule librement et il a plus de rolling. Donc ce qui est très important, c'est lorsque vous faites votre animation et que vous voulez faire la pause, il faut bien détendre la bannière, c'est-à-dire aller un petit peu vers le leurre. On reprend son animation et de nouveau sur la pause, hop, on repart vers le leurre. De cette manière, la bannière est bien détendue et le leurre travaille bien à la descente. Attention, il y a beaucoup de touches, donc il faut être attentif à la reprise. Il y a vraiment énormément de touches sur cette phase de descente. Belle attaque en surface. Wow. Magnifique. Qu'est-ce que c'est visuel la pêche avec les leurres salmo comme ça. Et voilà. Yes. Beau fish, belle attaque. Excellent, donc l'animation du salmo. J'ai lancé là contre les rochers, j'ai engagé ma manivelle pour vraiment le désaxer et là, oh, il a surgi, il l'a pris quasiment en subsurface. Et dès que j'ai ferré, il était en surface avec la houssette partout, c'était vraiment une belle action. C'est vraiment très visuel ces pêches, moi j'adore. Voilà pour le slider, on passe maintenant au fatso. Je vais vous donner trois astuces pour bien exploiter le salmo fatso. Donc le salmo fatso, en fait, c'est un leurre qui va nager. Il va avoir un wobbling, il va tourner sur lui-même. Le but, ça va être d'imprimer des rythmes différents pour que le wobbling soit plus ou moins large. Donc première astuce. Ça va être de ramener le fatso à des rythmes différents. Donc tout se passe sur la manivelle, c'est-à-dire qu'on va imprimer des accélérations et des ralentissements. On passe à la deuxième astuce, la deuxième animation pour utiliser le fatso.
Donc sur cette deuxième façon d'animer le fat saut, ça va un petit peu ressembler au slider, c'est-à-dire qu'il va falloir engager la manivelle avec beaucoup d'énergie sur quelques tours et ensuite ralentir. Ça va être une sorte de stop and go avec vraiment très important de vraiment mettre de l'énergie, c'est-à-dire que quand on engage la manivelle, on le fait très fort. Une pause. Voilà, c'est vraiment important de donner cette accélération parce que ça va vraiment accentuer l'effet de wobbling sur place du leurre et il va envoyer plus de flash, il va déplacer plus d'eau. Troisième et dernière astuce pour bien exploiter votre salmo fat saut, ça va être le travail des pauses. Le fat saut a la capacité à continuer un petit peu d'osciller lorsqu'on imprime une pause, c'est-à-dire que pendant l'accélération, il tourne sur lui-même et pendant la pause, il continue un petit peu de tourner. Et c'est quelque chose qui déclenche beaucoup d'attaques. Donc il faut vraiment maximiser cette capacité. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est pendant la pause, mettre des tout petits coups de sion. De cette manière, en fait, on va retrouver un petit peu de mouvement pendant la pause. Et très souvent, ça déclenche une attaque. Donc j'envoie mon fat saut sur le poste. J'engage avec pas mal d'énergie mes animations et lors de la pause, j'imprime des tout petits coups dans ma bannière, pas besoin de trop tendre la ligne et en fait, du coup, le fat saut va reprendre un petit peu de wobbling sur place sans pour autant avancer et c'est vraiment quelque chose qui peut déclencher des attaques, surtout dans des eaux froides, on va pouvoir pêcher de cette manière moins vite. Ah, reste avec moi. Pas énorme, mais bon. Belle attaque en. Dans 1 mètre d'eau, je l'ai juste vu sur la pause le saisir et partir à fond la caisse avec. C'est pratiquement piqué tout seul celui-là. Hop. Pris sur le fat saut coloris Gardon en stop and go, c'est-à-dire je mouline et je fais des pauses. Et souvent, l'attaque, c'est sur la pause. Voilà pour ces 3 astuces pour bien animer votre slider et votre fat saut. J'espère qu'elles trouveront une place dans votre pêche et que vous arriverez à trouver la bonne chez vous.